Bonjour et bienvenue sur arcadequebec.com. C'est Stéphane qui est là avec vous aujourd'hui pour un spécial boisson, un spécial jeudi spécial playoff de la NFL. Bien sûr, vous connaissez mon amour, pour ceux qui nous connaissent, vous connaissez mon amour pour la NFL. Le seul et unique sport d'ailleurs qui devrait être suivi bien avant le hockey. À mon avis, il reste seulement 4 équipes dans la NFL, dont une équipe que je déteste profondément. Donc, ce que je vais faire, vous savez, je me suis déjà rangé derrière les Steelers, une des 4 équipes, bien sûr, qui reste. Ce que je vais faire, ce que je vous propose, donc, c'est les deux matchs dans la fin de semaine qui va décider vraiment du match-up du Super Bowl. Donc, il reste 4 équipes, les Falcons, les Packers, les Steelers et les exécrables Patriots, ceux que je déteste profondément. Donc, je vous propose aujourd'hui de faire les deux matchs. Les Falcons contre les Packers. Je vais prendre les Falcons pour détruire les Packers en espérant que je vais réussir parce que Aaron Rodgers est vraiment là, complètement en feu, le carrière de Green Bay. Après coup, je vous propose aussi le deuxième match, donc le match des Patriots contre les Steelers. Sans surprise, je vais prendre les Steelers. Je n'ai pas mis mon gilet des Steelers parce que vraiment dans le studio, là, ça fait jaune sur jaune et les gens... Plusieurs personnes m'ont écrit au dernier stream pour me dire qu'il y avait fait une crise d'épilepsie. Je vois qu'il y a Guillaume ici au niveau du chat déjà. Murex qui est présent aussi. Merci Murex d'être présent. Et bien sûr, Pierre-Michel qui est là aussi. Merci beaucoup d'être présent. Encore une fois, pour m'encourager dans ce délire qu'est Arcade Québec. Bien sûr, avant de vous, avant de commencer les matchs, ce que je vous propose de faire, c'est simplement de visiter la page d'arcadequebec.com. Donc, qui s'appelle arcadequebec.com, le podcast numéro 87 qui est ici déjà, qui a été publié dimanche en après-midi, qui a été enregistré dimanche sur l'heure du midi. Donc, plusieurs nouvelles. D'ailleurs, on a reçu des bons commentaires sur les réseaux sociaux par rapport à ce podcast-là, un podcast très drôle. Il y aura aussi, ce soir, je vais verser, donc tout de suite après l'enregistrement du présent Twitch, je vais verser le DLC. Donc, un DLC quand même très drôle. Pour ceux qui sont moins familiers avec la formule, c'est le DLC, c'est nos discussions un peu, disons, hétéroclites d'avant et d'après le podcast. Donc, le podcast numéro 87 qui est là, le DLC qui est les discussions avant et après l'enregistrement. Donc, des fois, on parle d'à peu près n'importe quoi. Donc, ici, ce DLC-là, on a parlé de beaucoup de choses, disons, plus ou moins pertinentes aux jeux vidéo, mais quand même des choses très, très drôles qui nous reviennent. Donc, j'ai inventé d'ailleurs un nouveau mot dans ce DLC-là. Donc, bien sûr, c'est complètement gratuit. DLC gratuit, c'est assez rare quand même. Donc, je vais le publier tout de suite après l'enregistrement du présent Twitch. Donc, merci encore pour vos écoutes. Donc, la page d'Arcade Québec étant présentée, bien sûr, aussi, je vous présente la page Facebook d'Arcade Québec. Donc, qui est facebook.com/Arcade Québec. Qu'est-ce que c'est la page Facebook? Mais c'est la meilleure façon pour nous rejoindre, la meilleure façon d'échanger avec nous. On a bien sûr ici en bas de la page toutes les façons de nous rejoindre. Donc, vous avez Facebook, YouTube et bien sûr le fameux Twitter qui est très important pour nous, sur lequel on va mettre aussi beaucoup d'accent dans les prochaines semaines, comme j'ai compris dans les discussions entre Jeff et Guillaume. J'ai participé à des discussions. J'ai pas participé à des discussions, mais j'ai lu le tout aujourd'hui. Donc, passons tout de suite à la diffusion d'aujourd'hui. Parlons football, parlons playoff. Fucking playoff, oh oui, j'adore ça. Donc, allons-y pour la NFL. Je vais prendre les Falcons. Pourquoi? C'est que Aaron Rodgers m'a fait perdre beaucoup d'argent en fin de semaine. J'avais misé pour les Cowboys la semaine passée. Et donc, contre les Packers, et malheureusement, avec 40 secondes à faire au jeu, Aaron Rodgers est venu me scraper mon plaisir. Un corps arrière vraiment surprenant, que je n'aime malheureusement pas tant, mais qui est vraiment là, une machine. On va y aller pour le match de 4h15 dans le stade des Falcons, un stade qui est fermé. Donc, on avance au match simplement de cette façon-là. Donc... oui, j'ai hâte moi aussi de vous diffuser le DLC. Je vous le dis, là, peut-être, comptez peut-être quoi, là, maximum 40 minutes
après le Twitch, ce sera disponible en ligne. Je vais faire des posts là, sur les différents réseaux sociaux pour annoncer le tout aussi. Donc, vous ne pourrez pas le manquer. Les DLC, d'ailleurs, sont toujours, s'il y en a un, parce que ce n'est pas une garantie qu'on en fait un, s'il y a un DLC, il est toujours disponible le jeudi en fin de journée. Donc, généralement, le vendredi matin, là, vous y avez accès sans aucun problème. Et bien sûr, les DLC gratuits, c'est tellement rare. Donc, il faut les apprécier. Donc, les Packers ici qui commencent avec à me botter le ballon, qui me donne le ballon pour commencer. La caractéristique des deux équipes, donc les Falcons qui se caractérisent par une offensive là, aérienne très puissante et une défensive quand même qui s'en tire bien. Les Packers aussi, une offensive là, ultra intéressante. C'est le même genre d'équipe, si vous voulez. Par contre, je crois vraiment que les Falcons sont légèrement plus forts en termes d'offensive, surtout. Là. Pendant que Pierrot se pointe, merci Pierrot d'être présent. Salut, j'espère que tu vas bien. Donc, on va y aller très, très classique. Donc, la façon que je joue au niveau de la NFL, donc vraiment d'une façon très, très classique. D'ailleurs, les vieilles écoles américaines de football probablement aimeraient ma façon de jouer. Donc, ultra classique, toujours, là, ground and pound qu'on appelle. Donc, vraiment être en mesure de faire une course au sol pour au moins le premier essai et après coup d'avancer. Donc, Pierrot qui me demande si ça va. Effectivement, ça va très bien, surtout avec les séries de la NFL qui avancent comme ça. Je suis de plus en plus excité. J'ai très hâte à ce dimanche pour l'enregistrement du podcast, mais aussi pour être en mesure de regarder ces matchs-là qui seront dans l'après-midi, comme j'ai compris. Je crois qu'il y a un match autour de 3 heures, donc 15 heures à peu près, et un autre match autour de 6 heures, donc 18h30, là, au niveau de la NFL. Fuck, si j'avais suivi mon bloc là-dessus, je faisais un gain quand même relativement important. Il faut se rappeler que les Packers n'ont pas une super défensive contre la course. Donc, c'est relativement beaucoup plus simple de courir contre eux. Par contre, c'est pas toujours le cas. Il ne faut pas toujours non plus se rallier à la même, toujours la même stratégie au niveau de la NFL. C'est la pire erreur qu'une personne au niveau de la NFL peut faire. Donc là, ici, je vais tenter un play-action relativement cochon. Quelque chose de violent. Généralement, je me trompe assez facilement dans ce type de jeu-là. Oh yeah, là, j'ai réussi à le faire. Donc, encore une fois, un super jeu ici. Jones qui vraiment a été chercher le ballon de main de maître. Et je vais retourner à ma classique course au centre pour y aller là, vraiment de quand même bien. Donc, Pierrot qui nous dit qu'il va peut-être rester toute la soirée cette fois-là. Mais merci, Pierrot, d'être là encore une fois. Bien sûr, tu es toujours le bienvenu. Je compte faire seulement, par contre, deux matchs de la NFL ce soir. Bien sûr, les deux matchs qui vont se produire en fin de semaine. Et après coup, je vais aller à la publication du différent contenu là, d'Arcade Québec qui reste à publier, dont le DLC. Donc, les enregistrements, là, le complément d'enregistrement d'avant et après le podcast numéro 87 qui a été enregistré dimanche. Donc, avec ça, je vais vous prédire qui seront les équipes qui vont aller au Super Bowl. Donc, pour moi, ma prédiction, et d'ailleurs, ne suivez pas mes prédictions parce que je suis très mauvais au niveau des prédictions. Mon pool de football le prouve. J'ai prédit que les Falcons seraient au Super Bowl contre New England, donc contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Malheureusement, même si je déteste les Patriots, c'est ma prédiction. Si j'avais de l'argent à mettre là-dessus, ce serait probablement ça. Donc ici, 4-1. Donc ici, à 4-1, ce que je vais faire, je ne vais pas moi, sécuriser mon 3 points. Je vais simplement, encore une fois, tenter une course très cochonne au centre pour sécuriser mon 4e essai. Ce qui me semble être une très mauvaise idée, d'ailleurs. Non. Donc, je vais prendre un time-out ici et je vais réfléchir à tout ça. Je suis jusqu'à quelle heure environ? Je dirais pour... généralement, un match de la NFL dure en moyenne une quarantaine de minutes selon l'expérience stream que j'ai. Donc, disons 2 fois 40 minutes plus le jasage. Là. Donc, ça risque d'être facilement peut-être 1h30.
Donc, on va y aller pour le botté, finalement. J'ai changé d'idée. Donc, allons-y de cette façon-là. Tentons de sécuriser le maximum de points et d'aller chercher le 3 points. Donc, 4 et 1. J'ai été un peu chieux là-dessus, honnêtement. J'aurais peut-être dû y aller, mais quand même. Là. Quand même. Ne pas trop être chieux, mais être chieux. C'est pas, en tout cas, je sais pas. Là. Je sais pas exactement comment j'aurais pu être... Parce qu'imaginez que je ne réussis pas à faire de points sur cette drive-là, qui était quand même une bonne drive. Ça serait vraiment, disons, humiliant. Donc, ce que je vais faire, ma stratégie pour contrer Aaron Rodgers, qui est véritablement une machine, ça va être la pression. Donc, beaucoup, beaucoup de pression sur Aaron Rodgers. Je vais tenter d'aller chercher derrière la ligne. Généralement, Aaron est toujours capable de s'en sortir en courant de côté, mais là, en espérant que je réussisse à le planter derrière la ligne, le sacrement. Yes, donc premier jeu déjà quand même réussi. Je vous parlais tantôt de mon pool de football. Donc nous avons dans mon entourage un pool de la NFL. Donc un pool très simple. C'est pas des joueurs qu'on prend, mais bien les équipes. Donc ce qu'on a, c'est les équipes. Donc on y va avec des... Donc c'est vraiment gagnant-perdant pendant la saison. Donc, on prend toute la gang au niveau de tous les matchs de la saison régulière et on vote. Donc, il y a généralement en moyenne une quinzaine, 14 ou 15 matchs par semaine. Donc, on vote simplement. Et si on l'a, donc si la prédiction est bonne pour un match, on a un point. Et si la prédiction n'est pas bonne, on n'a pas de points. Donc, c'est aussi simple que ça. On accumule, on fait le total en fin de saison et la personne qui a le plus de points gagne. Il y a une petite règle par contre, c'est qu'en série, on continue à accumuler les points. Mais là, ce n'est pas un point qui est cumulé, mais bien deux points au niveau des séries. Et pour le Super Bowl, c'est un total de 3 points qui peut être cumulé par la personne qui gagne le Super Bowl. Donc, c'est quand même intéressant et ça permet de rattraper les gens en fin de saison là, au niveau des 2 points. Et bien sûr, le Super Bowl tombe toujours la même fin de semaine que ma fête. Donc, c'est bien important de savoir que ça me fait doublement des raisons de fêter. Yes, pendant que Dark PMB me dit qu'il se fait un chili à la bière. Pierre-Michel, j'aimerais recevoir ta recette de chili à la bière. J'aimerais ça m'en faire au Super Bowl. D'ailleurs, Pierre-Michel, si tu cherches une place pour aller au Super Bowl, n'hésite pas à me faire signe. Tu pourras bien sûr venir l'écouter ici. Non, malheureusement, Murex, je ne fais pas de ligue de fantasy football. Je trouve que de choisir des joueurs au niveau de la NFL, ça perd son sens un peu. Et le système de calcul me semble un peu... pas, disons, erroné, mais plus ou moins. Ce qui m'énerve, là, dans le fond, c'est pas compliqué, c'est que dans les ligues de fantasy football, quand un joueur se met à avoir 2 ou 3 semaines consécutives, de très bonnes semaines consécutives, il y a des multiplicateurs qui s'ajoutent, ce qui me, disons, pue au nez. J'aime beaucoup mieux là, j'aime beaucoup mieux le côté, je te dirais, là, très simple là, de notre pool qui est juste là, dans le fond, d'aller gagnant-perdant au niveau de la au niveau de la saison, là, au niveau des match-ups des équipes et tout ça. C'est beaucoup plus simple. Mais oui, peut-être que je devrais éventuellement l'année prochaine là, avec les applications qu'il y a sur Xbox, là, peut-être me lancer et choisir une équipe, là, faire un fantasy football. Là. À toutes les années, je me dis, cette année, je vais le faire, puis finalement, je le fais pas. Je devrais véritablement le faire, tu as raison. D'ailleurs, si je m'en faisais une ligue comme ça, est-ce qu'il y aurait des intéressés? D'ailleurs, est-ce qu'il y a des intéressés au niveau de mon pool? Si c'est le cas, faites-moi signe. Ce serait vraiment trippant qu'on puisse avoir de nouveaux participants. Ça coûte seulement 25$ pour l'année. Et il y a un site internet sur lequel on fait les choix, simplement. C'est aussi simple que ça, pendant que Cody apparaît. Merci, Cody, d'être présent encore une fois sur Arcade Québec. J'apprécie ta présence. Même un Européen qui regarde du football, c'est très bien. Donc, merci beaucoup d'être là encore une fois. Yes, donc on va y aller avec Shotgun Pass. Quelque chose de violent. On va changer ça pour...
une course à l'extérieur, ça risque de les fesser un petit peu. Fuck, j'ai pas réussi à contourner le joueur. Malheureusement, j'aurais dû sortir le bras. Merde, 3-9, ça va calissement pas bien. Donc, pour un petit play action rapide, quelque chose de long, yes. Donc, on va essayer vraiment la bombe, là, ici, qui se trouve être le jeu, disons, un des jeux les plus contestés. Donc, si le joueur défensif de gauche suit mon... Yes! Fuck! Non, non, passe! Y'a-tu passé à la ligne? Hii, 4-1, va donc chier, cet arbitre de raie. La mesure est véritablement pourrie. Ce que je vais faire cette fois-ci, j'y vais avec une course et je fais confiance à mon running back. Une course au centre. Non, un HB dive comme ça, ça risque de bien fonctionner. Vite, go, on joue, ils sont mal placés. Vite. Yes, mon ami. Donc, je les ai vraiment crossés solides. Oh que oui. Tellement beau. J'aime tellement ça quand je passe la ligne comme ça. C'est juste merveilleux. Yes! Quelle belle course! Donc, la prise de décision ici, assez rapide à gauche. Donc, 2-minute warning, 2 et 3. Je dois lâcher un petit peu la course pour y aller avec la passe pour m'assurer de, disons, peut-être un peu de faire des longs jeux pour me rendre plus loin. Donc, on va y aller avec un play-action pass, donc une feinte de course. Donc, quand la course fonctionne bien comme ça, ça ouvre généralement la passe. Donc, les joueurs sont beaucoup plus craintifs. Oui, monsieur, on sort en touche. Et oui, donc quand on sort comme ça, ça arrête le temps. Donc, 1,55 qui me reste 1,10. C'est vraiment super. Donc, premier essai. Donc, on retourne encore une fois vers mon classique course. Je sais que je suis tannant, mais c'est la façon, si vous voulez, de fonctionner au niveau de la NFL. Pas seulement au niveau de la NFL, ça devrait être au niveau du football en général, mais bien sûr, le football canadien ne se permet pas ça. Pourquoi? C'est qu'il y a... Yes, cool, mon ami. Fuck, j'aurais pas dû rester à l'intérieur du terrain. J'aurais dû simplement seulement sortir en touche, mais j'ai été trop gourmand. Je pensais être capable de clearer ce joueur-là. Malheureusement, j'ai pas été capable. On va changer la course de l'autre côté. Encore une fois, une course à l'extérieur. Fuck, Clay Matthews qui est venu me chercher. Derrière la ligne, on va prendre un time-out parce que Clay Matthews qui est une bête de cirque. Quelqu'un d'atrocement féroce sur le terrain. Donc, 2 et 10. Qu'est-ce qu'on fait? Il me reste un time-out. J'aurais peut-être pas dû être aussi rapide au niveau du temps d'arrêt. La course au centre fonctionnait quand même très bien. On va la réessayer simplement. Pour 2 et 10. Donc, si je réussis à faire, mettons, 5 ou 6 verges, c'est déjà très bien. Non, tabarnak, non! OK, on place les joueurs, là, c'est assez. Là. Je vais avec un play action, quelque chose de violent au niveau de la ligne. OK, donc si Jones est un contre un au niveau de la ligne, j'y vais avec lui. Sinon, j'essaye Hopper à droite. OK, donc c'est parti. Yes! Premier essai. On se dépêche. On joue pour s'assurer que... Non, bien sûr, quelle mauvaise décision de ma part. On va y aller avec la passe. Je vous rappelle que mon corps arrière est un des... Non! Donc, mon corps arrière est un des meilleurs corps arrière. Dans le fond, un des prétendants au MVP de l'année, dont Matt Ryan, qui d'ailleurs n'a jamais rien gagné. Au niveau de la NFL, est vraiment un des qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelle amoureusement ici au Québec, un nasty choker. Donc, une personne qui n'a pas, disons, qui ne gagne pas généralement. OK, donc on va mettre un joueur complètement à gauche comme ça. On essaie Jones à gauche. Et oui! Il l'a-tu pris? Oh, fuck! Il l'a échappé!
Tu parles d'un mauvais, il l'avait dans les mains, Calis. Oh non, oh non. Donc ici, on va être réduit à un, malheureusement, un minable botté. C'est parti, bang, et c'est botté. Donc 36 secondes. On laisse 36 secondes à Aaron Rodgers. Ça a été prouvé cette semaine, la semaine passée, pardon, c'est assez. Pour lui, avec trois timeouts, donc trois temps d'arrêt, pour refaire le terrain et au moins s'assurer de faire quelques points. Donc on va tenter de le temporiser au maximum, mais malheureusement, c'est excessivement difficile de temporiser un corps arrière qui a un aussi bon bras. OK, donc j'essaie de voir la couverture. Cognez-le! Yes! Mais quel, oh oui, planté derrière la ligne, deux joueurs libres, c'est juste un mauvais choix de jeu de l'ordinateur ici, là, Aaron Rodgers, qui, regardez comment c'est beau, se fait complètement péter, donc overloadé. Il aurait fallu, honnêtement, qu'il peut-être soit perdre le ballon sur ce jeu-là. J'aurais complètement joui, et vous ne voulez pas me voir jouir sur le stream. Ça, c'est sûr. Ouh, quelle belle course, honnêtement. Mettez-le à terre, s'il vous plaît. Donc, le quart vient de se terminer. Bien sûr, la demi est terminée. Donc, on reprend. Donc, on redonne le ballon à l'équipe. Donc, aux Packers, c'est la règle. Donc, un mauvais botté, encore une fois. Je dois travailler vraiment mes bottés. Je suis calissement mauvais au niveau des bottés. Yes, c'est fait. Donc, le numéro 12, Aaron Rodgers, qui se présente. Non, effectivement, pas de gist sur le stream. Vous ne voulez pas ça, d'ailleurs. Vous ne le voulez pas, et je le sais. Oh, yes. Donc, très beau jeu de ma part. Une pression. Donc, l'important, c'est de mettre la pression sur le corps arrière pour y faire faire des erreurs. Donc, ici, bien sûr, Aaron Rodgers ne fera pas de... que je ne crois pas qu'il fasse d'erreurs, là, comme des interceptions et tout ça. Mais par contre, il va peut-être, s'il sent, crise de belle passe, s'il sent, mettons, s'il sent beaucoup de pression, il va peut-être faire des erreurs. Donc, c'est ce qu'on va tenter de faire, au moins des passes là, qui vont être peut-être offset ou qui vont sortir de l'ordinaire. Donc, c'est notre souhait le plus important, parce que là, j'ai juste seulement 6 points d'avance comme ça. Là, c'est très, très maigre. Non, non! Fuck off! Fuck you! Fuck! J'en profite pour vous dire que je bois une bière d'édition limitée de la microbrasserie La Barberie qui s'appelle La Motus. Parce que je suis trop en tabarnak, je vous parle de complètement autre chose pour m'assurer de ne pas trop sacrer sur le stream. Donc, merci pour votre compréhension. Aaron Rodgers, encore une fois, qui vient faire des points là, trop facilement à mes dépens. Sacrement! La Motus, ça fait penser, c'est une farmhouse américaine, donc une bière forte sur lit. D'ailleurs, je la sens un peu dans mon corps. Ça fait penser un peu à une, mettons, une IPA très faible, mais forte en alcool, disons. C'est un peu bizarre. Donc, une Motus, une farmhouse américaine. C'est comme ça qu'on peut l'appeler. Quand même une très bonne bière. J'en ai pris déjà quelques-unes directement sur place à la microbrasserie, mais j'en avais jamais acheté. Et ce qu'ils ont fait, c'est que dans le temps des fêtes, ils ont fait une genre d'ouverture au public là, où tu pouvais acheter des bières à pratiquement 40% de rabais sur leur directement dans leur dans le back house là, au niveau du magasin de la Barberie. Et j'ai dépensé beaucoup trop d'argent à cet endroit-là pour justement le tenter de pour le temps des fêtes. Donc, je vais dépenser, mais c'était juste très bien. Il y avait des salamis à la bière. Il y avait un peu de tout, je dirais. Là. Il y avait beaucoup, beaucoup de bière. Donc, j'ai acheté pas loin de 24 grosses bières
pour un prix ridicule. Là. J'ai acheté aussi, j'ai eu beaucoup de gratuité. Ben, c'est sûr que j'étais un client quand même relativement régulier là-bas. Là. Donc, j'ai eu quelques bières gratuites. J'ai eu aussi des certificats cadeaux, une coupe de patente comme ça. Donc, j'ai vraiment trippé. Honnêtement, c'était très bien. Passe la ligne, passe la ligne. Oui, mon ami. Donc, on va essayer de jouer ground and pound comme ça. Donc, vraiment, là... Et à un moment donné, de les péter. Donc, Jones à gauche, s'il est seul, c'est parti, OK? Là, c'est là que ça se passe. Il est tout seul. C'est parti, mon ami! Oui! Dans tes fucking dents! Oh yeah! Je m'excuse, j'ai défoncé le micro, là. Ça a pété l'écu. Toutes mes excuses. Je voulais pas péter vos oreilles. Mais j'y ai pété sa petite crise de scène. Oh oui! Oh fucking oui! Julio Jones! Quel receveur! C'est ce qui va se passer d'ailleurs en fin de semaine. Oh oui! Juste hallucinant. Pourquoi on me demande d'aller pour 2 points? On veut un 14. Yes! Donc allons-y pour 2 points. Donc une petite passe comme ça à gauche. Encore une fois, ça va être Sanu s'il est seul. Sinon, upper à droite. Je ne sais pas si vous les voyez. Donc Sanu, le joueur qui est B, sinon le A à droite. C'est parti. Et oui, encore une fois. 2 points. Donc 14-7. Donc une possession complète d'avance sur les Packers. Merci Pierre-Michel de compatir. Je m'excuse d'avoir défoncé vos tympans. D'habitude, je me recule du micro, mais là, j'étais juste comme trop hallucinamment content. J'aime tellement défoncer Aaron Rodgers. C'est hallucinant comme j'aime l'humilier, lui piler d'en face. C'est jamais comme, par contre, comme humilier les Patriots qui est, je dirais vraiment, là, mon activité préférée à vie. Ce que nous allons faire dans le deuxième match qui s'en vient après celui-ci. Donc, on est, bien sûr, on fait 2 matchs aujourd'hui. Donc, je m'excuse, dans le fond, Murex, je voulais vraiment pas te défoncer les oreilles. Donc, Murex qui se sauve, qui va aller tuer et quelques Allemands sur Battlefield 1. Merci, Murex, encore une fois d'être passé. Et tue tes Allemands. Pense à quelques Allemands. Représente-toi-les comme étant, peut-être Aaron Rodgers ou simplement Tom Brady. Et tire-leur quelques balles pour moi. Donc, merci beaucoup d'être passé encore une fois. Puis on se voit, bien sûr, on se retrouve dimanche pour l'enregistrement du podcast numéro 88. Dimanche à partir de midi, si tu peux. Sinon, le DLC sera diffusé, mis en ligne ce soir. Donc, bonne écoute. Merci beaucoup. Hein. Battlefield 1, il faut que je remette du temps dessus, honnêtement. Sans joke, je pense que la dernière fois que j'y ai joué, c'est quand je l'ai streamé, il y a un mois et demi. Donc, il faut vraiment, vraiment que j'y rejoue. J'ai beaucoup d'amis qui jouent encore sur Xbox. D'ailleurs, si vous y jouez sur Xbox One, n'hésitez pas à m'inviter. J'aimerais quand même y jouer. D'ailleurs, je sais pas quand je vais y jouer, par contre, parce que je suis tellement comme... un peu trop occupé ces temps-ci, là. Mais je vais tenter de me trouver du temps pour jouer en ligne avec des bons amis. Donc, merci Murex. Yes, donc bonne position au niveau du ballon. On va essayer de traverser la moitié du terrain. Comme ça. Yes, donc 50 à la ligne de 50. On a la moitié du terrain à faire. 14 verges de retour. Un très bon retour ici. Donc, on va simplement faire des courses. Pour quelle raison des courses? Ben parce que c'est la façon, disons, la plus simple de d'étirer le temps, mais aussi d'aller chercher quelques verges de façon assez simple. Donc, Dark PNB qui nous dit PS4 pour lui. Et oui, effectivement, c'est très plaisant. Je ne sais pas exactement, est-ce qu'au niveau PS4, on a beaucoup de différences au niveau du jeu? Je ne crois pas, là. Je pense que le réseau PS4 maintenant est... Ah, fuck off encore! Ah! Sacrement! Que je suis mauvais! C'est qu'à l'époque, au niveau PlayStation, je parle là au niveau PlayStation 3 et tout ça, il y avait certaines difficultés au niveau du jeu en ligne, au niveau de PlayStation. Je sais que ça semble être réglé maintenant depuis que le service est payant, mais en espérant que c'est un peu mieux au niveau de PlayStation. D'ailleurs, Pierre-Michel, si tu as quelques jeux, tu pourras me donner une liste de jeux aussi avec ta recette que tu as sur PlayStation. Et si...
tu as quelques jeux que j'ai déjà sur PlayStation. On pourrait s'en essayer une coupe en ligne à un moment donné. Ça pourrait être pas pire. Encore une fois, encore une fois, une passe, là, un petit slant au centre. Très, très, très bien réussi. Ryan qui, dans le fond, fait un peu d'attitude ici sur le terrain. Donc, on va y aller avec une shotgun pass, quelque chose de très violent. On essaie la end zone pour la fin du quart, simplement. Donc, on va envoyer Sanu complètement au centre, au fond, pardon. Et s'il est assez, disons, discipliné, il va réussir à ramasser ce ballon-là. S'il n'est pas seul, sinon... Yes, OK. Donc, j'y étais un peu plus à droite parce que Sanu ne semblait pas découvert. Donc, Pierre-Michel qui nous confirme que c'est beaucoup mieux que quand le service n'était pas payant sur PlayStation 3. J'ai toujours trouvé que Xbox avait eu une bonne idée de charger pour les services en ligne. D'ailleurs, Nintendo s'en vient avec ça aussi pour, si vous ne le saviez pas, au niveau de la Nintendo Switch, que j'appelle tout le temps la NX, d'ailleurs, on dirait que c'est pris là, dans mon vocabulaire. La Nintendo Switch, il y aura, au début, le service en ligne ne sera pas payant, mais éventuellement deviendra payant avec le temps. Donc, il y aura... Ah, fuck off! Oh, donc, Pierre-Michel qui nous dit qu'il est beaucoup plus single player ces temps-ci. Moi aussi, je suis beaucoup plus généralement single player, on s'entend. Hein? Non, c'est pas ce que je veux faire. Yes, donc je vais... Hey, c'est quoi ce petit jeu-là? Oui, Jones au fond. Non, comme ça. Donc, les autres, ils semblent blitzer. Si les joueurs blitzent, je vais avoir un avantage. Oh, trop facile. Beaucoup trop facile ici. Oh oui! Oh que oui! Donc, on dirait que tout ce que je fais se met à fonctionner. Ça s'appelle le momentum. Et oui, encore une fois. Touchdown. Falcons, et oui! Monsieur. Donc, très belle drive. Très, très belle drive. Je sais pas, t'as-tu d'autres jeux, Pierre-Michel, à part Battlefield 1, je te parle peut-être de Indie Game, qui jouera en ligne. J'ai acheté dernièrement, je crois que c'était sur PlayStation, Enter the Gungeon, qui se joue en ligne, et que ça pourrait être très bien. J'ai acheté, j'ai tellement de petits indie games que j'achète pas cher là, quand il y a des ventes, là, j'en ai une nasty trollée. Donc, si tu es en mesure de m'envoyer peut-être une liste de ce que tu as, ou quand on va se croiser simplement, on pourra simplement en parler. D'ailleurs, si Guillaume, tu es à l'écoute, il faudra planifier le moment où nous irons au Level Up. Donc, si vous écoutez le podcast déjà, vous savez déjà que nous allons une fois par mois enregistrer un podcast en direct du Level Up. Donc, un bar de gaming ici à Québec. On va y aller là, dans, si c'est pas la semaine prochaine, ça va être l'autre semaine d'après, pour couvrir les activités les activités gaming du Level Up. On va recevoir encore une fois le Mathias du Level Up, donc un des propriétaires, un des copropriétaires de l'endroit, pour nous vendre son un peu sa salade, justement, donc tous les tournois qui auront lieu là, pendant le... Il l'a-tu ramassé ou pas? C'est-tu une passe complète, ça? Fuck! Donc, je sais pas exactement, j'ai pas encore tout à fait finalisé, là, donc je dois parler avec les deux gars d'Arcade Québec pour savoir à quelle date on va y aller exactement. OK, c'est ça, mon Dieu, c'est donc bien malade. Donc, Pierre-Michel qui dit, j'y pense, puis honnêtement, j'ai pas grand-chose au niveau multiplayer. Ben, c'est bien correct, garde, pas de trouble, mais en tout cas, si t'as d'autres choses, si tu y penses à un moment donné ou t'achètes, tu vois un jeu pas cher ou quoi que ce soit, fais-moi signe. Ça va faire plaisir de jouer avec toi en ligne. Let's go, calice, qu'est-ce que c'est ça? Il me shrink bien raide. Donc, j'ai une petite avance ici, mais il ne faut pas s'asseoir sur une avance de 14 points, surtout pas contre Aaron Rodgers. Donc, Guillaume qui dit « On s'en jase, mais je suis brûlé. » Donc, merci Guillaume d'être passé encore une fois. Puis, bon dodo, jeune homme. À 8h09, Guillaume va se coucher. Donc, il a fait beaucoup trop de plein air, je crois, cette semaine.
Merci Guillaume encore pour ton soutien. Puis on se voit dimanche sans faute. Sinon, si tu as quelques minutes demain. Ah non, c'est vrai, demain je peux pas. Au niveau de la, j'allais dire au niveau de la barberie, mais malheureusement, Guillaume, demain, je peux pas. Donc, je pourrais sur l'heure du midi, mais pas le soir. Donc, si tu peux sur l'heure du midi, tant mieux. Sinon, le soir, malheureusement, je ne pourrais pas. Fuck! Merci, Guillaume. Bonne nuit. Donc, Guillaume qui s'entraîne comme un fou ces temps-ci. Si vous écoutez le podcast, vous le savez déjà. Ouais, c'est ça. Donc, 1000 km de raquette en deux jours, je pense, Guillaume. Mais c'est ça. Donc, Guillaume qui est monté à Québec, à Montréal en raquette en passant par les trails. Donc, ça fait 1000 km de raquette, là, c'est ça. Aller-retour, bien sûr, deux fois. Non, Guillaume s'entraîne demain midi. Donc, il ne pourra pas venir prendre de la bière. Donc, Guillaume, moi aussi, je m'entraîne. Hey, d'ailleurs, j'ai fait... fallait que je te dise quoi. Guillaume, j'ai joué au hockey ce midi. Donc c'était mon grand retour, le très grand retour de Stéphane Boulet au hockey. Et au hockey Cossum, donc pour ceux qui ne le savent pas, on joue au hockey Cossum. Et j'ai fait deux passes. Donc on a gagné, j'étais avec ton frère, je jouais avec ton frère. On a gagné je pense 5 à 2 ou 6 à 2, quelque chose comme ça. Ça peu importe. Et j'ai fait deux buts. Donc, pas deux buts, pardon, deux passes. Donc, Ricky qui jouait avec nous, là, qui a reçu mes deux passes et qui a réussi, lui, avec ses mains, à scorer. Donc, deux passes, j'en suis très content. Donc, est-ce que ça va être ma seule game de l'année? J'espère que non. Par contre, je sais que déjà la semaine prochaine, je ne pourrai pas aller jouer. Mais honnêtement, ça a bien été. J'étais content de mes performances, j'étais content de mes courses et tout ça. Puis, je pense que ton frère aussi était assez satisfait de, disons, mon cardio, en tout cas mon cardio qui était pas mal absent, là, mais qui était moins absent que ce que j'aurais pensé qu'il était absent, disons. Mais il était quand même absent. Là. Puis Guillaume qui nous dit bien sûr qu'il n'a pas pogné de Pokémon en même temps, c'est sûr, il n'est plus un couch potato. Il tente de s'enlever cette fameuse étiquette de joueur de jeux vidéo là, beaucoup trop intense. Fuck. Encore une fois, Clay Matthews qui est venu me chercher. Derrière la ligne. Donc, 1,50, on va tenter de les obliger à prendre tout leur temps d'arrêt en faisant des courses. OK. 1,50, let's go. Pas niaiser avec la poque, comme on dit. Yes, très bien. Donc, un autre timeout, c'est parfait. Donc, on va essayer une passe. Merci, Guillaume. Salut. Ouais, ben Guillaume, si tu veux revenir au hockey, tu te gênes pas. Là, vraiment, tu as toujours une bonne place. Ta place est toujours réservée. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Une passe standard relativement facile. On va y aller avec ça. Oui, monsieur, encore une fois, un game saver ici. Donc, la passe du siècle qui a été attrapée par Don Jones qui semble ne pas être en mesure d'échapper une seule passe dans le jeu. Ce qu'on appelle un trichordi, mais quand ça m'avantage, je ferme ma gueule. Donc, on y va comme ça pour une simplement une petite course au centre. Encore une fois, pour redécoller le tempo de son équipe et surtout pour s'assurer de prendre un maximum de temps. Fuck! Okay, donc, vous voyez, j'ai protégé le ballon et j'aurais pu courir en beaucoup plus que ça. J'ai passé la ligne et j'ai protégé. Donc, j'étais certain que Matthews allait me frapper. Oh, qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe? Oh! Boc de jeu, ici! Super boc de jeu! Que se passe-t-il? On va prendre une petite pause. On va revenir. Oui, OK. Donc, le graphique du jeu qui semblait complètement... Okay, non, je ferai pas ça. Là. Je vais faire une course quand même, OK? Donc, on laisse le temps aller au minimum. Donc, 11 secondes, 10 secondes, 9, 8, 7, 6 et on joue. Oh, yeah! C'est très bien. Donc, non, une perte sur le jeu. Ou 3 et 6, ça va vraiment pas bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Il me reste des timeouts, donc je vais simplement laisser aller le temps jusqu'en bas, prendre un temps d'arrêt et réfléchir à tout ça. Très bonne stratégie, je crois, parce qu'il leur reste plus de temps. Donc, 13, 14, ok, donc je prends une petite gorgée. Tranquillement, donc c'est relativement serré quand même, considérant que c'est Aaron Rodgers qui est de l'autre côté. Donc, on y va pour un petit time-out comme ça. Donc, temps d'arrêt pris, 3 et 6. On va essayer de faire une passe, là, un quick slant au centre. Donc, une petite passe au centre qui pourrait, disons, peut-être... Un petit quick slant, non, un slant comme ça, oui. Donc, qui va faire que même s'il y a une interception, il n'y aura pas de, disons, de grosses conséquences à ce jeu-là. En espérant que ça fonctionne. Yes, premier essai. Et oui, monsieur, donc la game est terminée. Je ne jouerai pas et ce match-là est pleinement fini. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, on laisse aller le temps. On peut être vraiment très, très baveux. Non, donc j'ai pas réussi à jouer. Donc à ce moment-là, la game est terminée 7 points. Donc la prédiction d'Arcade Québec, les Falcons sur les Packers. Donc les Falcons gagnent ce match-là par 7 points contre les méchants et minables Packers. Donc vous voyez ici 93,3% des passes complétées par Aaron Rodgers. Ça risque d'être les statistiques relativement réelles du jeu. De la vraie game, d'ailleurs, parce que Aaron Rodgers manque très, très peu souvent ses passes. D'ailleurs, il y a eu une, je crois, une interception dans le dernier match, ce qui est une exception totale. Donc, deuxième match, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, qui est l'équipe que je déteste le plus de la NFL, contre les Steelers, une des équipes, une de mes équipes préférées, qui n'est pas mon équipe préférée, d'ailleurs, parce que vous savez que je suis un fan des Colts. Donc, les Steelers de Pittsburgh qui jouent contre les Patriots. Donc, deuxième match de la NFL qu'on présente tout de suite sur Arcade Québec. On tente, bien sûr, de... donc, spécial playoff, un stream hors série. Donc, on y va pour game de 8h30, non, 6h30. Bien sûr, Patriots et tout ça, donc c'est parfait. On peut y aller avec peut-être une... On va y aller random au niveau de la... Yes! Au niveau de la température pour s'assurer peut-être de mettre un petit challenge de plus, un petit challenge supplémentaire au niveau de ce fameux stream-là. Donc, je vais me verser un petit peu de bière pendant que ça load tranquillement. Oh yeah! En espérant que le son soit bon, que l'entertainment soit là pour vous. Arcade Québec, c'est avant tout un podcast sur le jeu vidéo que vous pouvez retrouver sur arcadequebec.com, qui est un podcast complètement gratuit que vous pouvez écouter. D'ailleurs, ça fait... on va fêter la semaine prochaine le 52e mercredi Twitch d'Arcade Québec. C'est quoi un mercredi Twitch? C'est de la... diffusion ou rediffusion, donc de la découverte ou de la redécouverte de jeux vidéo. Ce qu'on fait, c'est qu'à tous les mercredis, à partir de 19h30, on vous stream des jeux vidéo où on découvre ou on redécouvre des jeux vidéo avec vous. Et des fois, comme ce stream-ci, là, on fait des streams hors série dans lesquels on vous présente des jeux qu'on aime simplement. Les hors-séries sont un peu random, comme ça, d'un fois annoncé, d'un fois pas annoncé. Quand ça nous tente, simplement, Guillaume ou moi, on s'en va, puis on se place comme ça, puis on décide de faire des jeux. Aujourd'hui, parce que je suis un amoureux de la NFL, je décide de vous présenter des quelques petits matchs au niveau de la NFL, des matchs dans fin de semaine. Non, très mauvais. Mais très, très mauvais comme décision. Excessif. Tabarnak. Est-ce que j'ai eu Patriot?
C'est vraiment une hostie décision d'imbécile que je viens de prendre là. Donc la passe, je n'aurais jamais dû faire cette passe-là. Je suis un imbécile et je m'en veux. Okay, donc, encore une fois, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui ont beaucoup, beaucoup de chances de gagner, qui ont beaucoup de chances à domicile de gagner ce match-là. On va tenter d'aller les chercher derrière la ligne si on frappe Tom Brady. C'est probablement la seule et unique façon de gagner contre eux. Je sais pas si vous êtes déjà allé, si vous avez déjà eu la chance d'aller visiter le stade des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. C'est vraiment un super stade. C'est vraiment une super place pour aller voir du football. J'y ai été autant en septembre qu'en octobre, qu'en novembre et qu'en décembre. Et je vous dirais que c'est beaucoup plus agréable. J'ai même été en août pour un match hors saison. Et c'était très bien. Il faisait chaud, c'était bien. Mais je vous dirais qu'en rendu à la fin décembre, ça commence à être frais en sacrement. Donc, je vous propose, si vous y allez, même si vous voyez qu'il va faire quoi, moins 10 degrés, là, même moins 5, moins 10, habillez-vous chaudement, les vents sont très froids. C'est dans le stade est positionné dans un champ là, à l'extérieur de Boston, qui est dans une petite ville là, qui s'appelle Foxborough. C'est vraiment, vraiment, là, je dirais, là, une belle place, mais sacrément qui fait frette là-bas. C'est juste hallucinant. D'ailleurs, j'ai déjà été là-bas avec de très bons amis, dont un ami qui s'appelle Benoît Ménard, qui avait beaucoup, beaucoup ri de moi avec mon accoutrement. On était là, genre, c'était comme le 15, le 19 ou le 20 décembre. Là, c'était une game contre les Packers. Et je vous dirais, là, c'était juste hallucinant de voir les gens qui gilaient. Et lui riait de moi parce que moi j'étais habillé là, comme vraiment là, comme une grosse patate avec mon manteau d'hiver là, que je me sers pour la raquette et tout ça. Et lui était habillé avec son petit manteau fashion là, au niveau du petit manteau en cuir et tout ça. Puis il disait, oh, t'as l'air d'une grosse patate, t'as l'air d'une grosse patate. Puis je vous dirais qu'il a pleuré un petit peu parce que moi j'ai vraiment pas eu froid, mais lui il a vraiment eu froid. J'ai vraiment ri de lui. Il est obligé d'aller se réchauffer dans les toilettes du stade après le match. Donc, même pendant le match. Donc, c'est quand tu paies 200$ pour un billet puis que tu vas t'es obligé de passer à moitié du match dans les toilettes parce que t'as trop froid, parce que t'es mal habillé. C'est juste déplaisant. Donc, on va y aller avec une passe. Encore une fois, on y va très, très... on y va agressif. Effectivement, Boston, c'est froid. Mais c'est tellement le fun. Là, donc... Yes, on court, mon ami, on court. Yes, quelle belle passe. Donc, on va aller rapidement avec une course. On va jouer en... rapidement. Non, pas comme ça. On va y aller avec quelque chose d'un peu plus traditionnel. Oui, monsieur. Yes! Oh! Par contre, flag on the play. Donc, une punition sur le jeu. Bien sûr! Mangez donc de la merde, ce petit arbitre de raie. Donc, De Castro qui aurait retenu un joueur sur la ligne, selon l'arbitre. Donc, ça me coûte 10 verges. Sacrement! Yes. Donc, bien sûr, Brown, qui est un des joueurs les plus... qui est véritablement un des joueurs les plus rapides de la NFL. Donc, on vient avec un play-action de cette façon-là. Je vous rappelle, le play-action, le principe, une feinte de course pour une passe généralement très payante. Yes. Donc, premier essai ici. On a réussi à avoir Roethlisberger qui tente, qui a l'air de... faire des passes beaucoup trop hautes. Je ne sais pas exactement si c'est mon contrôle qui est mauvais, mais il a l'air de faire des passes crissement hautes, ce qui est ce qui avantage pas. Non. Ah, fuck. Ah, j'aurais dû frapper au niveau du trou, là. Calice, qu'est-ce que je viens de faire, là?
Ok, on essaie une course, une... Je sais plus, là. Je suis un peu mélangé, là, au niveau des boutons. Donc, on va y aller avec... Encore une fois, une autre punition sur le jeu en espérant que ça concerne la défensive et non l'offensive. On va attendre l'arbitre. Hey, fuck! Fuck! Il va-tu me crisser à paix, d'arbitre de merde. Donc, 2 et 21. Aïe, aïe. Est-ce que je capote? Ils vont-tu me colisser patience, ces astis d'arbitre? Ça n'a juste pas d'allure. Là. OK. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'envoyer... Envoyer Brown complètement au fond. OK, go. Tabarnak. Encore une interception, là. C'est moi, là. Je sais pas si c'est la bière qui parle, mais là, ça va vraiment pas bien, là. Yes! Tom Brady qui réussit pas à faire sa passe et qui se fait complètement défoncer derrière la ligne. C'est la façon de jouer contre lui. Donc, le punir derrière la ligne, c'est la seule et unique façon de régler, de gagner contre lui. En tout cas, je crois, là, c'est tellement un carrière qui, malheureusement, semble en contrôle tout le temps. Donc, 3 et 5, il faut vraiment les retenir ici. Donc, ce que je vais faire... Okay. Donc, on va y aller pour quelque chose d'assez violent. Les Steelers sont réputés pour avoir une... Yes! Une offensive... Une défensive, pardon, qui a du chien. Donc, qui frappe très, très fort. Et... On le voit souvent dans les matchs de la NFL. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté beaucoup de matchs de la NFL, mais ce qui est bien, c'est qu'on voit la personne, exemple, le receveur qui pense au hit, donc pense à se protéger au lieu de ramasser le ballon. Donc ça, c'est quand les équipes frappent fort que ça arrive. Et je vous dirais qu'au niveau de, ben, au niveau des deux équipes qui sont sur le terrain, ça arrive quand même régulièrement. Des équipes qui sont présentes, vraiment là, très, très présentes en défensive. Là. On va essayer d'y aller avec une perspective un petit peu plus... Donc, on va essayer de se sortir de ce trou-là. Yes! Donc, quelle belle course! Très bien, ça, qu'on va y aller sans laisser de temps à la défensive de se placer. Essayer de les prendre un peu, là, de... Au moins, aller chercher le premier essai. Yes! Donc, encore une fois, on se dépêche. On va y aller pour un play-action, quelque chose de rapide. Brown à gauche, qui est seul avec le receveur. C'est parti, OK? C'est parti. Oui, monsieur! Mais quel attrapé de la mort! Donc, encore une fois, en jouant rapidement, la défensive n'est pas en mesure de s'ajuster. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne des 1 à 1 comme ça, donc des match-up 1 à 1 comme ça, qui sont très bien. Et qui avantage l'offensive. Donc, encore une fois, il faut se servir de ce type de... Yes! De ces opportunités-là, qui sont quand même relativement rares, je crois, contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre pour s'en sortir. Donc, c'est la seule et unique façon que les Steelers vont être en mesure de gagner ce match-là, surtout à Foxborough, qui est un endroit là, qui est vraiment, disons, reconnu pour... qui est hostile, disons, pour les équipes qui se présentent sur place. Là. Les Pats gagnent souvent à la maison. C'est bien connu. Encore une fois, j'ai essayé deux fois la même crosse et malheureusement, ça a véritablement pas fonctionné. Donc, on va y aller avec une quick pass, même si c'est pas recommandé. Je pensais y aller avec quelque chose d'un slant là, assez régulier pour donc 3 et 9. C'est risqué, hein? OK, donc Rodgers ou Coates, on y va avec Rodgers. Fuck.
J'ai vraiment pas eu de temps. Vraiment pas eu le temps de faire mon jeu. Donc, je vais simplement botter, donc prendre ma pilule et faire confiance à ma défensive qui va possiblement réussir à... Yes, quel beau botté. Très bien, ça. Oui, non, c'est pas un très, très beau botté, mais c'est quand même un excellent botté qui va être à la ligne de 16. Donc, ça laisse Tom Brady un assez long terrain à faire pour s'assurer de quelques points. Ah, sacrement. OK, donc 2 et 3, ça ouvre toutes les possibilités. Si j'étais à leur place au niveau de 2 et 3, j'irais avec une très longue passe et je me pèterais moi-même les reins. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais miser sur le fait qu'ils vont jouer assez, de façon, disons, assez conventionnelle et je vais tenter de le frapper derrière la ligne. Oh oui, interception! Donc, j'y ai vraiment joué dans la tête. Yes! OK, là, et ça, là, c'est... OK, intercepter Tom Brady, là, c'est... Ah, mon Dieu, c'est beau. Ah, mon Dieu, que je vis quelque chose d'intense, là, présentement, là. Oh oui, on regarde la replay ici, là, c'est juste... Oui, vive! Vive! Ah, mon Dieu, ah, que j'aime ça, le football, c'est juste hallucinant. C'est tellement merveilleux, là. Donc, de voir Tom Brady en sacrement, là. C'est tellement la plus belle chose qui peut pas m'arriver. Non, passe la ligne. Ah, on va essayer de jouer. Oui, c'est magnifique. Effectivement, c'est pleinement magnifique. Encore une fois, on y va avec le même jeu que tantôt, en espérant éviter. Encore une fois. Fuck off. Comment je peux me faire intercepter deux fois quand Brown est... Ah! Ça n'a pas d'allure. Fuck off. Fuck! J'essaie trop de jouer le tout pour le tout. Là. J'essaie de péter les... Ah! Ah! Yes, donc la passe est offset. Beaucoup trop de pression sur Brady. Sacrement! Donc, je vous rappelle la règle de ce qui s'est passé tantôt. Une interception dans la zone début, ça remet le ballon à la ligne de 20. Donc, si le joueur, bien sûr, ne sort pas de son plein gré de la ligne début. Donc, c'est ce qui se passe. C'est la règle de la NFL. Donc, ce que je vais faire, je vais tenter encore une fois de blitzer au maximum Tom Brady, qui, selon moi, est la seule et unique façon d'aller chercher ce match-là en étant très, très agressif sur la ligne au niveau de la défensive. Donc, 3 et 11, honnêtement, j'ai zéro idée quoi faire. Je vais y aller avec ce que le coach me propose. Mais c'est vraiment n'importe quoi comme jeu. Oui, frappe-le. Yes, donc il a été obligé de se débarrasser du ballon. Parce que mon joueur était vraiment seul devant lui. Donc ça, là, c'est une bonne opportunité. Il reste 2 minutes avant la demi. Ils vont me botter le ballon. J'ai à faire un retour. Théoriquement, 2 minutes, je suis capable en masse d'aller faire un 7 points. Au minimum, quelques points, donc au moins un botté pour aller égaliser ce match-là et peut-être de mener même de ce match-là de quelques points. Je pars avec une très, 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 très bonne place sur le terrain qu'à la demi ici. J'ai un jeu gratuit d'ailleurs parce qu'il reste 2 minutes 2 et il y a un time-out. Gratuit, entre guillemets, donc le 2-minute warning là, qui arrête le temps entre les deux. Donc, ce que je vais faire, une course, encore une fois, au centre pour tenter de, disons, déstabiliser un peu les Patriotes. J'y vais rapidement parce qu'il semble pas être prêt pour la course. Fuck! Il était calissement prêt pour la course, malheureusement. Je les haïs. Donc, on y va avec, encore une fois, une course, mais à l'extérieur. Je l'ai pas essayé encore. Dans ce match-là. Non, c'est très mauvais comme décision. On va essayer une petite passe comme ça, en espérant. Non, ça marche pas. On va l'essayer. Fuck! Et là, honnêtement, là, je sais vraiment plus quoi faire. Là. Ils sont en train de me shrinker. Là.
tabarnak. Ok, barre standard. On va essayer d'aller chercher Brown, simplement. Regarde, je sais pas, là, je sais plus, là. Je panique, là. Donc, quelque chose, un jeu très fermé avec Coates ou Brown. On va je sais pas, on essaye, let's go. Fuck. Donc, au moins, je me suis pas fait intercepter, mais je laisse une 53 à Brady pour revenir sur le terrain, qui est une tragédie quand même relativement extrême, considérant ses derniers exploits. Boom. Yes. Très beau botté. J'espère qu'il va se péter derrière la ligne. Non! Non! Fuck! Fuck! OK, donc c'est vraiment... Ça va vraiment pas bien. Donc 3-0 pour les Patriots. Un match, dans le fond, un match décisif de série. Let's go. Laissez-les pas jouer comme ça. Saint-Cyboire. Donc, il faut y mettre de la pression derrière la ligne. Il faut arrêter de temporiser, mais il faut frapper. Donc, on va aller frapper. Donc, on va jouer très, très, mettons, all-in, comme on dit. Fuck. OK, c'est bon. Donc, un mini-gain. Ils prennent pas de time-out. Je sais pas d'ailleurs ce qu'ils font. On va aller frapper. Le but, c'est de frapper Brady, OK? Donc, c'est d'aller, lui, le blesser. On n'a pas le droit de dire ça, mais quand même. Donc, un ballon échappé ici. Très bien. Par contre, ça arrête le temps. C'est la contrepartie ici. OK. Let's go. Donc, si je réussis à les retenir et qu'à la demi, c'est 3-0, je vais vraiment être content. Là. Fuck. Donc, flag on the play, probablement un face mask ici que j'ai vu sur le plaqué. 15 verges de punition. Si c'est ça, je pleure. Fuck. Les trois punitions du match m'ont été données. Là. Zéro punition du côté des Pats. C'est représentatif de la réalité, d'ailleurs. OK, là. Non! Chris! C'est vraiment pas bien, là. Let's go! Ah! Donc, un peu de pression sur Brady qui s'est débarrassé du ballon en espérant que celle-là, dans le fond, ça y joue un peu dans la tête. On va encore une fois tenter le gros blitz au centre, toujours en essayant d'intimider Brady. Non, là, ça fonctionne vraiment pas. Yes, il a échappé le ballon. Oh, oui. Donc, 50 secondes, 3 timeouts de chaque côté. La demi s'en vient. On y va encore avec un gros blitz. Si on réussit à l'arrêter ici et que c'est 6-0, je vais simplement fêter et aller me chercher une autre bière. Non! Fuck. Ah, en plus, les deux pieds en dedans. En plus, on le voit dans la pile and cam. Donc, malheureusement, encore une fois, donc 44 minutes et 44 secondes. Malheureusement, le jeu a été vérifié. Et malheureusement, ils ont accepté le touchdown. Mais c'en était un, clairement. On a vu les deux pieds là, directement dans la zone des buts. Donc, c'est ici que, généralement, je dirais aux gens, je m'arracherais une testicule à frette. Mais bon, je ne vais pas le faire et simplement tenter de revenir. Donc, de jouer à ce jeu-là selon les règles établies. 44 secondes avec 3 timeouts, c'est possible, et j'ai bien dit possible, de faire quelques points.
Donc, on va tenter d'attaquer. OK, au début, on attaque le centre. Donc, ce qu'on va faire, on va attaquer le centre. On va tenter d'attaquer le centre. Non, le côté. Parce que c'est plus facile. Donc, ici, le temps vient d'arrêter. Donc, ce qu'on fait après... OK. Donc, je vais essayer mes vieilles crosses de vieux singes là, que j'ai développées avec le temps. Vous voyez, j'ai changé la course de Coates qui est à droite. Et si le joueur du centre se libère, j'y envoie. Sinon, si Coates est correct, je lui envoie aussi. Yes, fuck. Fuck! Il y avait une couverture complète à droite. Ce qui est vraiment pas à mon avantage. Donc, okay, on va y aller avec le même type de jeu que tantôt, mais avec en modifiant la course de Rodgers et de Brown. Vous avez vu, j'ai modifié les deux courses à droite et en plus. Donc, j'ai l'air de faire un genre de all-in, mais en bout de piste, ce que je veux, c'est simplement tester la défensive pour la longue passe. Fuck! C'est mauvais, ça! Je pensais avoir une couverture. Là. Je pensais être en mesure d'avoir une couverture. Tu sais, généralement, cette équipe-là a une couverture. Sors, mon ami, sors. J'ai un petit time-out ici. Donc, premier essai, 25 secondes à faire. Deux time-out. Chris. OK, il est possible. Donc, on va arrêter d'aller de jouer en shotgun pass. Aller pour quelque chose de plus standard. Tabarnak. Encore une fois, la même course de Brown ne pourra pas être prise au sérieux. Si James se libère, sinon, c'est Brown. Fuck. On se dépêche. OK, non, on prend un time-out. Là, c'est assez. Là, je panique. Là, je sais plus quoi faire. Là. Mon Dieu, que c'est pas beau, la vie. Mon Dieu, que c'est pas beau. Tabarnak. Hey, zéro. Là, je me fais pas blanchir parce que cette équipe-là, là, c'est assez. Là. Okay, j'ai essayé de le passer par-dessus les joueurs, mais ça n'a vraiment pas fonctionné. Je ne sais pas ce que j'essaie de faire. Là. Je ne sais pas ce que j'essaie de faire. Là. Yes, yes. Un timeout ici. Et ce qu'on va faire... Comment? Il l'a pas pris! Ben voyons non! Je m'excuse, là. J'étais sûr que c'était une réception, là. Sinon, j'aurais jamais pris de time-out, tabarnak. Je suis pas un imbécile. Ça, ici, boire que c'est mauvais. Frappez-le, s'il vous plaît. Merci. Donc, je vous laisse quelques secondes en attente pendant la rétrospective. Oh, il y a un flag on the play. Pendant que je vais me chercher une autre bière. Donc, je reviens dans quelques secondes. Je vous laisse avec la rétrospective, simplement. Je reviens tout de suite. So we've reached halftime here at Gillette Stadium with the Patriots on top. As we'll send you down the coast to Orlando where we check in with our friend Larry Ridley and the EA Sports Halftime Report. Larry? Thanks, Brandon, and welcome to our EA Halftime Report. I'm Larry Ridley. The Patriots are up right now and are looking to keep up the pressure moving forward. The Steelers didn't play their best, and they'll need to be at their best now to come back. All right, let's do it. Here's a look at the first half highlights. Steelers with the football midway through the first. Roethlisberger is going to complete the pass, and the play will come to an end after a gain of 25. Steelers would end up throwing a pick on the drive. Third down from the 18. Brady's completion is made out of the gun. He caps off the seven-play drive with the score, pushing the lead to 10. So that'll do it for us at the EA Sports Studio.
We're going back under the lights for the second half of this Thursday night matchup. OK, je suis de retour, donc je botte simplement comme ceci. En plus, ce qui est poche, c'est que je ne repars pas avec le ballon. Yeah! Que je risque de me faire complètement détruire dans ce match-là, malheureusement. Et c'était le match qui me tenait le plus à cœur, je vous le rappelle. They worked their way back out onto the field. They built a good first half lead. Now they have a chance to add on to it. And what I'm thinking is that the offensive staff. Fuck. Donc 10-0 Pittsburgh qui bien sûr va probablement effectivement perdre ce match-là dans la vraie vie. Mais chose sûre, c'est que j'aimerais vraiment qu'ils puissent gagner. Là. J'aurais tellement de gens insultés, surtout au bureau. Fuck. Bennett qui, dans le fond, court et court le ballon, mais tu sais, tout le temps, là, comme un genre de Dieu. C'est malheureux, mais c'est ça. Donc, on va frapper, encore une fois, ma stratégie me semblait bonne tantôt, au niveau de la défensive, d'aller chercher Tom Brady derrière la ligne. Mais malheureusement, il semble vouloir, ne pas vouloir perdre ce match-là. Au début du troisième quart, 10-0. Yes! Sac sur Tom Brady, c'est tellement la plus belle chose que j'ai jamais vue de ma vie. Tom Brady qui souffre à terre en pleurant, c'est la plus belle chose que j'ai vue de ma fucking vie. Donc on va essayer de garder ça le plus hermétique possible. On dirait que même si je mets beaucoup de gens dans le champ, il réussit quand même à passer le ballon. Ici, à 3 et 11, on va le temporiser. Tenter de le temporiser au maximum. Donc, jouer en man-to-man avec deux joueurs au fond, ça peut être bien. En espérant que ma défensive réussisse à tenir le terrain. Yes, Tom Brady, sacké derrière la ligne encore une fois. Donc, deux sacs sur la première présence du troisième quart. C'est très, très bien. Ça me laisse. Donc, c'est à moi, là, dans le fond, de me ressaisir au niveau de la défense, de l'offensive, pardon, avec Roethlisberger et tous les attaquants que j'ai. Là, l'attaque des. Il va sortir le ballon. Il va sortir. Yes, il est sorti. Super. Donc, si je vais tenter de faire quelques points, donc je vais jouer très, très classique pour. J'ai du temps. J'ai des timeouts. Donc, j'y vais là, de façon. Ultra classique dans le but de, d'aller chercher au moins quelques points au niveau de ce match-là. Fuck! Comment ils font pour faire ça? On va jouer rapidement. On va y aller avec un play action. On va tenter d'aller chercher Brown s'il est seul, bien sûr. Fuck! Encore une fois, sur le play action, je me suis fait avoir. J'ai joué beaucoup trop rapidement. En imbécile, c'est vraiment pas bon, mon affaire. Donc, sacrément que je suis mauvais. Ça n'a juste pas d'allure, là. Donc, éviter les turnovers, c'est surtout ça qu'il faut faire. Yes! Yes! Donc, on y va. Vite. Yes! Yes! Belle course. On continue, on a un rythme, c'est bon. Très mauvais. Très rapide. C'est très beau, ça. Yes, premier essai avec une course à l'extérieur. Pardon, une passe à l'extérieur. Super. Faire des screenplays comme ça de côté, j'en fais pas assez souvent. Honnêtement, je devrais en faire légèrement plus souvent. Si Brown est seul et que j'ai une bonne protection, j'y vais. Non, j'ai vraiment une mauvaise protection. Fuck.
Le pire jeu. Tabarnak. Ok, donc on va y aller avec une course encore une fois. Je sais que c'est 2-21, mais le but c'est de. Ils pensent qu'on va faire vraiment une passe. Donc le but c'est d'arriver avec quelque chose qui va les surprendre. Donc, et ça les a véritablement pas surpris. Tabarnak. Est-ce que patriote de raie que je vous haïs? Ok, donc on sort l'arsenal et on tente le tout pour le tout. Chris, ramasse les dents. Pourquoi ça marche jamais? C'est Brown, Saint-Cyboire. En tout cas, bon, ok, donc on y va de cette façon-là. On va botter, on va prendre notre pilule et simplement tenter de ne pas se faire trop humilier. Donc le botter. Botté beaucoup trop puissant ici qui va les faire repartir à la ligne de 20. Très mauvais jeu de ma part d'ailleurs. J'aurais dû tenter d'y aller un peu en angle avec un botté qui va à l'intérieur des 10 premières verges. Mais bon. Oh non, quelle belle course. Une course latérale comme ça qui a été cherchée. Non, c'est vraiment pas bon. Nous étions nus dans les bois. Il avait peur qu'un ours arrive. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas, ils ne se nourrissent que de fruits. Oui, mais une partie de moi, lui répond-il, ressemble à deux raisins, et avec inquiétude. Oui, enfin, l'arbitre qui se réveille pour donner une punition aux Patriotes en offensive. Avoir retenu sur la ligne. Donc, yes, très bien. Oui, mais une partie de moi ressemble à deux raisins. Malheureusement, donc avec inquiétude, il lui répond ceci. Et là, il y a une réflexion qui s'entame. Yes! Donc, beaucoup trop de pression auprès de Brady ici, là, qui ne sait plus quoi faire avec toute cette pression. Donc, on va encore une fois essayer de le rusher au maximum. Il peut nous shrinker de cette façon-là, mais c'est la seule et unique façon, je crois, d'aller chercher ce match-là en étant vraiment crissement baveux. Non! Je déteste ce gars-là. Là. Edelman, là, si je le rencontre dans le jeu, honnêtement, j'y tire mes excréments en feu. Je prends le temps d'allumer un excrément, donc je me chie dans la main. Je prends mon lighter, j'essaie d'allumer l'excrément et je lui tire au plein, en plein visage. C'est mon seul et unique but dans la vie. Donc 2 et 6. Ça s'appelle haïr quelqu'un. Encore une fois, on y va avec un gros blitz, encore une fois, pour s'assurer de ne pas laisser le temps à Brady, mais il nous shrink avec des petites passes comme ça. C'est juste hallucinant. Je sais plus quoi dire, honnêtement. Je sais même pas quoi faire pour tenter au moins de le contenir. Je sais juste plus. Je me fais complètement violer. On pourrait appeler ça comme ça, dans le fond. Je me fais lessiver. Tous les synonymes de lessiver peuvent être utilisés ici. Donc, incluant les mots plus vulgaires du genre violer ou complètement rotoculté par Tom Brady. Malheureusement, ça m'arrive. Et ça ne me réjouit, mais véritablement pas. Fumble on the play. Il y a un fumble, puis il l'a repris. J'aurais aimé tellement que le joueur puisse reprendre le ballon pour le ramener dans la zone des buts. Ça aurait été comme juste hallucinant, mais malheureusement, c'était pas le cas. On sait tous que Tom Brady va essayer de faire. Yes! Donc ici, 2,59, deux possessions. Ils vont botter le ballon, donc il me reste quand même trois temps d'arrêt. Il est possible, j'ai bien dit possible, de gagner ce match-là, mais comme c'est parti ici, malheureusement, ça ne semble pas une possibilité accrue, disons. Là.
Donc, un mauvais botté. Je repars à la ligne de 20. On va tenter d'y aller avec quelque chose d'assez violent. Donc, yes, Rodgers qui a été chercher le ballon. On se dépêche. On joue rapidement. Donc on fait semblant que c'est une passe, mais on y va avec une course. Non, fuck. Non, c'était pas ce que je voulais faire, mais pas pantoute. C'est le pire jeu de la planète. Le pire. Fuck, mon choix de jeu était vraiment terriblement mauvais ici, là. J'avais même pas compris mon choix de jeu. Genre, si je pouvais reculer dans le temps, mais je le ferais tellement humiliant d'être en stream, puis de... Ah! Saint-Ciboire. Tout ce qui me reste, c'est la boisson. Donc, 2-minute warning ici, blanchissage de 10-0. Malheureusement, je ne fais pas honneur à mes Steelers. Ben non, je dis à mes Steelers, mais aux Steelers. Car je vous rappelle, je suis un fan des Colts d'Indianapolis à la base, mais je me suis aligné derrière les Steelers pour les séries. Donc, ça me semble être les... Il y a une chance que la boisson est là. Merci, Pierre-Michel, d'être présent encore une fois et d'interagir avec moi. Je me sentais un peu seul. Donc, oui, une chance. Heureusement que la boisson est présente pour me donner, disons, des fuck-off. Même la boisson ne sera pas suffisante, je crois, pour me réconforter. Ça fait blanchir. C'est juste... Mon Dieu, que c'est... Je suis pas en mesure de décrire véritablement tout ce qui se passe dans le fond dans mon cœur présentement, mais je vais pleurer. Je pense que je suis le bord d'eux. Même pas capable de ramener le ballon à ligne de 20, c'est hallucinant. Malheureusement, Bill Belichick, qui est le coach des Pats, c'est beaucoup trop fort, beaucoup trop... juste comme trop bon. Et il y a toujours des joueurs différents à part Tom Brady, puis il est toujours capable d'aller chercher tout. Donc, il n'y a rien à dire, c'est juste comme il domine la ligue. Il domine véritablement la ligue. C'est tout ce qu'on peut dire. Encore une fois, Brown qui n'est pas en mesure de recevoir une belle passe comme celle-ci. D'ailleurs, la passe n'était pas si belle. C'est sûr que si j'essayais, probablement... Donc pour le vrai, honnêtement, les Pats sont véritablement fort posants. C'est vrai. Ah, ben oui, c'est à croire qu'il manquerait ce ballon-là, sacrement. Bien sûr, je me fais frapper en arrière de la ligne. Il n'y a absolument rien qui fonctionne. Absolument rien. 4 et 10. Je ne botterai pas. Non, je ne botterai pas. Je vais tenter d'aller chercher au moins une certaine forme de disons, je... On veut... je suis fier, donc je le veux. Bien sûr, aucune fierté. Donc, sur ce match, le match est complètement terminé. Les Patriots qui, malheureusement, m'ont blanchi. J'irais dire que c'est un synonyme d'humilier. Je ne sais quoi dire. Je ne sais que dire, simplement. Humilié, je suis. Présentement, je pleure dans mon intérieur de... Honnêtement, j'ai vraiment eu le fantasme de les battre. J'étais
J'ai misé d'ailleurs en passant. Là, j'ai mis plusieurs dizaines de dollars sur ce match-là dans la vraie vie. Aïe aïe. Donc, la prédiction d'Arcade Québec. La prédiction finale d'Arcade Québec. Donc, les Patriots iront au Super Bowl contre les Falcons. Donc, c'est la prédiction Arcade Québec officielle. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent pour ce stream, malgré ma défaite humiliante. Bien sûr, avant de vous quitter, je vous propose d'aller sur notre page Facebook et de visiter notre page web et de visiter la page web d'arcadequebec.com sur laquelle vous avez tout le contenu d'Arcade Québec, dont ce qui est le plus important pour nous, bien sûr, le podcast. Donc, le podcast numéro 87, donc déjà 87 podcasts qui ont été enregistrés par Arcade Québec. Le podcast numéro 87 a été enregistré dimanche passé. Ne manquez pas non plus les prochaines diffusions d'Arcade Québec, donc le podcast numéro 88 qui sera enregistré dimanche juste avant les matchs de football, donc à partir de midi sur twitch.tv/arcadeqc. Bien sûr, vous avez tous les mercredis Twitch d'Arcade Québec qui sont là, donc le mercredi Twitch numéro 50 qui est ici. Le 51 s'en vient tranquillement, là, je vais le diffuser aussi après l'enregistrement du présent, Twitch. Ce que je vais faire, je vais vous présenter, je vais aussi mettre en ligne le DLC numéro 87. C'est quoi le DLC? C'est les discussions que les gars d'Arcade Québec ont eues avant et après l'enregistrement du podcast numéro 87. Donc, ça transcende le jeu vidéo, c'est juste des hosties niaiseries qu'on se dit entre nous autres, finalement, en bout de piste. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent. Je souffre, mon cœur saigne abondamment pour cette défaite. Donc, malheureusement, les Steelers vont malheureusement perdre ce match-là. Donc, Pierre-Michel qui a cru jusqu'à pendant un moment au moins. Donc, merci Pierre-Michel encore une fois d'avoir été là. Merci à Murex d'être passé. Merci à Guillaume aussi. Merci à toute la communauté d'Arcade Québec qui nous suit beaucoup. Et revenez-nous dimanche midi pour l'enregistrement du podcast numéro 88. Merci beaucoup et je vous quitte là-dessus.